Eh ben le salut du lever des bisous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Don Alex, on se retrouve pour une petite vidéo. Quand je dis petite vidéo, c'est que ça dure entre 10 et 15 minutes souvent, ou même un petit peu moins, ça peut arriver que ça dure moins de 10 minutes. On est sur un jeu qui s'appelle Cellule. Qu'est-ce que c'est que Cellule les amis? Je vais mettre le petit chapeau, il est juste là. Cellule, c'est un jeu téléphone, donc on va faire... C'est longtemps qu'on n'a pas fait de jeu de téléphone d'ailleurs. Voilà, vous allez peut-être entendre le son du jeu. Voilà, je vous l'ai monté comme ça, vous avez un peu le son audio du jeu. C'est de simple, ouais. On va tester ensemble. Alors, je sais pas ce que c'est vraiment. On va tester. On va plus découvrir ce jeu ensemble. Donc voilà, regardez. Hop. Hop. Vous avez collecté de l'entropie. Utilisez votre entropie pour acheter des nouveaux traits évolutifs. Ok, très bien. On est parti. Ok. Planète Terre. Eh ben, on y va. Planète Terre. La Terre fournit différents éléments chimiques, une abondance d'eau et une atmosphère parfaite pour le développement de la vie. C'est mon téléphone. Hein, c'est la même chose que vous voyez, évidemment. Ok, on est parti. Ok. Donc, très bien. Très bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On récupère ça comme ça, on y va. Ok, on clique sur la terre. Ensuite, soupe primordiale. Bon, on va faire ça également. Hop. Une solution riche en composés d'organiques supposés avoir permis l'apparition de la vie. Et ben voilà. Mais écoutez, on va récolter des accros. Comment ça veut dire? Est-ce que j'ai oublié le nom? J'ai oublié le nom des trucs qu'on récupère là. Si quelqu'un s'en rappelle, ben bien joué à lui. Nucléolithes, allez on récupère. Les nucléolithes sont les composés chimiques formant la base de la structure de l'ADN et de l'ARN. Là, on va donner la vie du coup. Bon, on y va. La lune 240, l'acide aminé. Ok. Bah écoutez, l'ADN. Une molécule ayant pour propriété unique de s'auto-répliquer, les configurations infinies de l'ADN sont le fondement de tous les changements évolutifs. Évidemment. Ah! La vie a créé ADN. Et ben voilà. Et ben donc on a l'ADN, on fait plus avec ça. Tu l'as récolté? Et voilà, on a l'ADN qui est créé. Le temps que ça ADN, il se passe quoi? Bah rien du tout. Okay. L'ADN est créé, et puis voilà, vive la vie, hein, évidemment. Alors je sais pas ce que c'est le but du jeu, mais j'ai vu que c'était par rapport à la vie. On va tester. Ok. Moi je suis là pour découvrir. Hein. J'aime bien découvrir. Hop. Donc, on va découvrir ensemble. On va essayer Tiens, l'acide machin là. Des atomes et molécules se lient pour créer les briques essentielles de la vie. Et ben voilà. Ah, j'ai un message, j'ai pas eu le temps de le lire. Bon, c'était important, à mon avis. Acide aminé. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, on a ça. Chaque forme de vie que vous achetez augmente votre production d'entropie. Donc, ADN, acide aminé, 132, 23. Voilà, regardez, on achète des trucs. On récolte, on achète. On récolte, on achète. Ça fait plaisir. Déclenchez cette charge quantique pour gagner. Déclenchez pour une, déclenchez pour libérer. Ok, la pub est passée. On y va. Récompense. Bon, on va aller ici, prêt. Ajouter de l'énergie pour l'accélérateur et recevoir un bonus de production x2 pendant 30 minutes. Booster plus. Non, non, c'est bon. Allez, hop. Alors, ADN. Une molécule en propriété s'auto-répliquer. Voilà. On récolte. On y va, on perd pas de temps, on y va. La Lune. On va débloquer la Lune, allez. Les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil ainsi que la rotation de la Terre sont l'origine des marées de tous les océans depuis tous les temps. Voilà, la Lune s'est formée lors de la collision d'un objet de la taille de Mars avec la Terre lorsqu'elle était encore jeune. Ben, c'est cool. Volcan. Oh, volcan, ça va permettre peut-être l'époque des dinosaures. Alors là, il y a quoi qui va être créé là? Ouais, protéines, 9x2. x6. Allez, on monte, on monte. On y va. Allez. Allez. x8, x9, x10. Et on y va, et on y va. Allez, protéines. Unité biologique essentielle au fonctionnement des cellules vivantes. Des protéines sont les molécules faites à partir de longues chaînes d'acides. Voilà, on a les molécules. Allez. Membrane plasmique. Tout en train de se créer, les amis. Par contre, je peux enlever ce truc-là, s'il vous plaît. Vraiment. Merci. Ok. On peut enlever les dialogues des trucs là aussi. Voilà. Étoile mère. On l'a créé l'étoile mère, à fond. Oui. On a créé l'étoile mère. Ok. On peut créer l'ARN.
Message du code génétique, l'ARN est responsable du transfert du code génétique et copie une partie de l'ADN enfermée dans le noyau. Ok, on crée l'ARN. Pour l'instant, on a créé un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi, je vais bombarder comme ça, on va avoir beaucoup de chiffres. Voilà, on va vite arriver au volcan. On va créer les volcans, là, les amis. On va vite arriver aux créations du volcan, vous êtes prêts? Le volcan! Le dioxyde de carbone que les volcans produisent ont réchauffé la Terre. Et là, c'est parti! Voilà, la planète Terre. Regardez tout ce qu'on a créé sur Terre, les amis, là. On a créé des choses sur Terre, hein. Couche d'ozone, 65 000. Ouh! 65 000 pour la couche d'ozone! Et c'est des tarés, hein. Là, on va aller à 1000 au moins. Oh, regardez, il y a quoi? Charge quantique, bon, on s'en fout. On s'en fout. Membrane plasmique, on achète, c'est cadeau. Les membranes plasmiques protègent l'intérieur de la cellule et isolent de l'environnement. En fait, c'est un jeu vraiment qui t'apprend des choses sur la vie. Ça prend cool. Ouais, vous apprenez des choses ou pas? Honnêtement, sans être mauvaise langue, vous avez appris des choses, je pense, depuis le début, là. Voilà, cellule procaryote. Le premier organisme vivant, les cellules ont ouvert la marche et le reste de la vie. Les premiers signes de vie apparaissent sur la soupe primitive. Et ben voilà! Regardez! Les cellules procaryotes, ça crée la vie. Regardez ce qui se passe. C'est pas mignon tout ça? Ah, c'est quoi ça? Les médailles. C'est des succès qu'on peut débloquer, d'accord? Ça, c'est l'énergie pour aller plus vite et tout, je pense. Rafale d'entropie, tout ça. Cellules procaryotes, ADN, tac. On va dépenser ça. On va dépenser là aussi. On va y aller là. Le but, c'est vraiment de dépenser. Hein. Et là, c'est quoi là? Mitochondrie, noyau. Tout ça. Mais j'aime bien avoir la vision de la Terre. Là. Je voudrais leur mettre la vision. Voilà la Terre. Regardez la Terre. Elle est pas belle? Regardez ça. Regardez les continents qui se créent. Ça y est, tout est créé là, les amis. On a créé là où vous êtes actuellement, où je suis avec vous d'ailleurs. On y est tous. Hein. Ok. Bactéries. Combien? 1250. Allez, les bactéries. Micro-organismes unicellulaires ayant des parois cellulaires, mais aucun des organites qui construisent les. Ok. Compliqué. Mais là, on fait confiance. Hein. Le virus, on va créer les virus. Parce que le virus, c'est important. Virus. Un agent biologique qui se réplique aux dépens des autres cellules. Et c'est incroyable, hein, tout ce qu'on apprend. Je vais se couper, mais vous inquiétez pas, je vais faire une petite ellipse. Hein. Hop. Allez, on crée, nous, on est là pour créer. Hein. Hop. Le noyau. Centre de contrôle de cellules contenant les chromosomes qui referment l'ADN. Voilà. Centre d'exploration. C'est quoi ça? Laissez le semblant de vous emmener dans un voyage à durée limitée. On ira plus tard. Enfin, on ira plus tard. Je sais pas si on aura le temps d'y aller. La centrale énergétique de la cellule. Ok, on va voir. Cellule eucaryote. Il faut 3000. Ok, mais on va les avoir. On va les avoir, ne vous inquiétez pas. Ce sera l'objectif. Bon, je vais faire une petite ellipse, les amis, parce que si la vidéo va se couper. On reprend de suite, attention. À de suite. Ok, mais bon, voilà. Donc, il y a des trucs qui se sont créés. Donc, là, on va créer la cellule eucaryote. Le cousin le plus complexe de la cellule procaryote formée pour l'unification symbolique de plusieurs cellules procaryotes. On y va! C'est acheté! Voilà! Cellule eucaryote! La vie a créé les cellules eucaryotes. La vie, elle crée tout. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Les tissus, alimentation par filtration. On a créé les humains, en fait. La mitose, la capacité des cellules à s'utiliser pour se multiplier. C'est parti. Reproduction asexuée. Ok, vraiment, on crée tout ce qu'on veut là. Allez, on y va. Là, il faut qu'on atteigne des chiffres astronomiques. Voilà, on peut améliorer encore les cellules eucaryotes, on peut faire plein de trucs. Bon, écoutez, là, je vais y aller, je vais bombarder. Et j'essaie de vous créer d'autres trucs. En tout cas, j'espère que ça vous apprend des choses sur la vie, hein, parce que si vous voulez, il y a des gens qui apprennent hein, avec ces genres de jeux. C'est ça qui est stylé, hein. Vous êtes prêts? Allez, je vais vous créer des cellules procaryotes. Hop, on améliore. Ça, je l'améliore x2. Ça, je l'améliore x2 parce que c'est cadeau de la maison. Ça, je l'améliore aussi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir créer les tissus. Vous êtes prêts? Les tissus vont être créés dans un instant. Les dames et messieurs, préparez-vous. Faut juste que je récolte encore quelques petits trucs. Regardez, on est en train de voir. Là, quand on dézoome, regardez ce que ça fait. C'est un truc de fou. Hein. Vous avez vu? Là, regardez, là, je sais pas ce que c'est, ça, c'est bokeh. Non plus, on sait pas ce que c'est. Allons-y! Notre exploration! J'ai vu les abeilles. On va peut-être rencontrer les abeilles, les amis. On va aller voir ce que c'est. Ça disparaît dans 3 jours, donc c'est peut-être pour avoir l'apparition d'abeilles. Donc là, on arrive sur une planète, hein, je crois. Je sais pas.
Ma chaise est en train de regrincer, c'est longtemps qu'elle n'avait pas fait. Je vais refixer mes boulons. Les fleurs et les abeilles sont inséparables. Une attraction mutuelle, un échange constant de cadeaux et d'avantages. Comment ce partenariat intime entre plantes et animal a-t-il évolué? Explorer pollinisation. Commencez. Regardez ça. Rencontrer les personnages. Il nous en faut 15. C'est prêt? On y va. Pour faire une prairie, il faut un trèfle et une abeille. Un trèfle et une abeille et la rêverie. De Emily Dickinson. Très bien. Regardez. La création est là. Hop. Et on a un rideau. Donc, je sais pas encore ce qui se passe. Est-ce qu'on va voir l'apparition des abeilles dans pas longtemps? Ah, il faut la fleur, il faut l'abeille. Ok. Donc la fleur va apparaître. Vous êtes prêts? La fleur! Oh là là! Il manque plus que l'abeille. Et on aura l'apparition d'un premier signe de vie officiel. Vous êtes prêts? Alors il faut 500 pour les abeilles. Et bon, on va y aller. Hein. Allez! Objectif 500 pour les abeilles. Il nous faut au moins une abeille, hein, parce que là, s'il n'y a pas de pollinisation, on est foutu. Hop. Allez, 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 on y va, il nous en faut 500. Ça va y aller, hein. Là, je vous le dis, je vais bombarder, hein. Prêt. Ajouter l'énergie à l'accélérateur sur un bonus, se booster. Voilà. Non, c'est bien, on booste déjà, c'est déjà sympa. Hein. On va pas se mentir. Allez, c'est quoi, je mets une deuxième fleur, parce que je suis chaud. Voilà, je suis chaud et puis j'ai envie d'avancer. En plus qu'on va de fleurs, en plus qu'on monte en termes de pollen. Donc ça, c'est plutôt stylé. Regardez, hop, on va passer à 300. Et on va redescendre parce que j'ai mis une fleur. Hop, et on passe à 1,3 maintenant. Oh, mais ça va vite, hein. Regardez, à 350, on va mettre une autre fleur parce que je suis fou. Allez, on y va. Au moins, on monte le pollen. Allez, on passe à 400 et on monte les fleurs. C'est parti, voilà. Allez, à 450, pareil, on met notre fleur. On est parti, et vraiment là, on gagne des trucs. Regardez, il y a même un truc qui se balade là. Et on va récupérer. Allez, la première abeille va apparaître. Vous êtes prêts, les amis? Les abeilles ont besoin de se nourrir. Leur organisme très énergique et leur progéniture abondante exige une alimentation constante, les amis. Important pour vous, notez ça. Mais pour faire le plein d'énergie, il faut de l'énergie. Comment une abeille peut-il butiner plus efficacement possible? Et ben, on va voir ça, on va apprendre. Regardez, connaissance verrouillée des abeilles. Donc là, il y a une abeille qui va arriver, je pense. Oh! L'abeille. Du coup, l'abeille va butiner sur la fleur pour la polliniser. J'arrive même pas à parler. Ça va être fou. Ah, pour l'instant, ils le font pas. Pour l'instant, on les a juste découverts. Graines nues. Ah, c'est après qu'on fait les trucs. On fait les fabrications, tout ça. On va aller à 1000. Voilà, on va faire ça. Autria, bien avant les fleurs, les premières plantes productrices de graines apparaissent, dont les conifères. Ok, on est parti. Vent gaspilleur, ok, très bien. Et vous pouvez y aller, hein. Hop. Voilà, on passe à 5,5. Et on va aller vite, hein. Regardez, on va faire guêpe par guêpe. Hop, allez, seconde guêpe, c'est cadeau. Hop. Allez, 114, on y va. Et vraiment, là, le but, c'est d'y aller, hein. Là, tout ce qu'on fabrique, hein. Là, on peut y aller, hein. Voilà. Et là, on monte, hein. Allez, on monte. Et on monte encore. Voilà, maintenant, on produit, genre, masse. Genre, ça va très, très vite. Regardez, hop. Vous voyez comment ça produit vite, les amis, maintenant? Bon, maintenant, on va pouvoir peut-être aller à 4000, hein, assez vite, grâce à ça. Et puis, bah, on va se laisser là, hein. Je pense qu'on aura fait la petite découverte du jeu, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin de votre côté. Moi, c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous voulez vraiment découvrir comment fonctionne ce jeu, il est vraiment marrant. Pas marrant. C'est pas, il est marrant, il est vraiment intéressant. On apprend des trucs sur la vie, voilà. C'est vraiment de l'apprentissage, hein. Les grains de pollen de la taille d'une poussière se dispersent facilement dans le vent. Peut-être se pose-t-il sur des ovules, les œufs posés sur les troncs d'un arbre au loin, les fécondant en formant des graines, mais la majorité du pollen manque cette étape. Et oui, évidemment. Fleur primitive et le vol. Hop, voilà, on a une fleur primitive, regardez. Donc du coup, la fleur. Regardez ce qui va se passer. Oh, la cinématique. Par contre, le son, il est libre de droit, parce que je le connais, ce son. J'ai déjà entendu dans des jeux vidéo, je crois, non? Ou autre part? Ok, c'est 26 000 ça? Ou c'est juste que quand je clique, ça fait 26 000? Ah, je fais. Ah non, 26 000. 26, pardon. Ok, j'ai encore fait un 10 000. On va y aller. Hein. Là, je vous le dis, on y va à la production. Voilà, regardez, je produis 8 par 1000, hein, là. Hop. Hop. Et voilà, et là, ça va vite. Là, on monte très très vite. Hop. Voilà, il y a plusieurs abeilles. On est bien. Voilà, on les booste aussi, évidemment.
Et maintenant, objectif, le vol. Voilà, la guêpe végétarienne, etc. Il y a des trucs à prendre. Et bien, écoutez, je vais vous laisser là parce que de mon côté, je trouve que le jeu, on a fait le tour. Hein, on fait que des clics et des découvertes. Mais voilà, c'est assez drôle. Voilà, vous y jouez une petite demi-heure. Après, voilà, vous jouez de temps en temps si vous avez envie de passer le temps. C'est vraiment un jeu passe-temps. Voilà, on va dire que c'est un jeu passe-temps. Ben, merci d'avoir vu cette petite vidéo qui est vraiment juste une découverte de ce jeu. Je savais pas du tout ce que c'était. J'ai vu un truc qui était différent des autres jeux qu'on fait habituellement. Je me suis dit pourquoi pas faire un truc un petit peu plus différent. Regardez, on va dépenser nos thunes. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à me dire ce que vous pensez, vous, de ce type de jeu. Est-ce que c'est un jeu qui, pour vous, est hors catégorie des jeux que vous ferez? C'est-à-dire que ça vous intéresse zéro. Est-ce que vous testerez des jeux comme ça pour découvrir des choses sur la vie? Parce que des fois, vous apprenez des choses. Après, c'est peut-être pas des. Je sais pas si c'est des opinions ou des faits, ce qui est dit. Mais en tout cas, si c'est des faits, eh ben, c'est intéressant. Après, ces opinions, bon, bah, du coup, c'est trop intéressant, on va pas se mentir. Bah, écoutez, n'hésitez pas à faire la découverte de ce jeu de votre côté. Allez dans la description voir ma chaîne Twitch, ma chaîne Kick et mon Discord. Et également, d'aller vous abonner et mettre également des petits j'aime ou une cloche de notification. Tout ça, c'est le soutien et ça me remercie. Merci, n'hésitez pas. Et j'essaierai de faire découvrir d'autres types de jeux différents. Mais pourquoi j'ai tourné ce jeu? D'ailleurs, je vous le dis, c'est parce que c'est un jeu que une catégorie de jeux qu'on ne fait pas habituellement. Donc, on a fait des découvertes un petit peu différentes, tout simplement. Du love, des bisous. C'était le Don Alex. Alex MCM également. Ciao tout le monde.